Et bonjour, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Je reviens avec un produit terminé et je vais vous parler d'un gel douche. C'est le gel douche Cottage au Monoï. C'est celui qui fait 560 ml. Il est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Il sent mais alors divinement bien. Bon, c'est l'appel des vacances. Et là, vu qu'on vient de rentrer, c'est une bonne odeur qu'on apprécie d'avoir. On s'en est servi avec mon mari. On l'avait acheté en 6 grands formats à la Jonquière, vraiment moins cher. Le 560, nous, on l'avait payé 3 €. Donc, rien du tout comparable par rapport au tout petit qui, lui, fait déjà 3 € en France. C'est vraiment incomparable les prix. Il n'y a vraiment rien à dire. Il lave très bien, il se rince très bien. L'odeur reste énormément sur le corps. Vraiment, mais rien à dire. Moi, mon mari, ça l'a pas gêné, l'odeur du Monoï. Au contraire, c'est très effrayant. Moi, je trouve que c'est vraiment très agréable. C'est léger, c'est pas non plus une odeur très forte qui va vous rester sur la peau. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose qu'on aime revenir, enfin, à laquelle on aime revenir. Voilà, c'est vraiment celui-là, c'est le parfum, tout ce qui est à base de Monoï. C'est. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est. Allez-y, achetez, les yeux fermés. C'est vraiment très 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 bien. Cottage est une bonne marque. Nous on en a un autre, on avait acheté pendant les beautés Leclerc, c'était celui à l'ananas. On va voir, on va l'essayer bientôt. Je vous en dirai un peu plus. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Si vous avez vraiment beaucoup aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt !